Salam alaikum les jeunes, marhaba bikoum, je m'appelle Kamel Laribi, je suis photographe professionnel et formateur en photographie. Très heureux de te revenir sur Facebook, Twitter ou Instagram à travers Abafa. Cet épisode, ça fait longtemps que je vais parler de lui, et je vais vous parler de lui. C'est un épisode où on va parler de la retouche mobile. C'est-à-dire que c'est des photos qui sont au téléphone et on va toucher sur Lightroom mobile. Il y a d'autres applications comme Snapseed ou là, mais nous allons voir spécialement ça. Et il y a un problème, c'est que vous avez un abonnement pour que vous la version complète, mais ne mettez pas parce que nous allons utiliser la version basique qui est gratuite. Donc vous pouvez l'installer sur iOS ou Android, il n'y a pas de souci. Deuxième des choses, c'est que nous allons utiliser la tablette que nous allons utiliser, mais c'est la même chose, c'est les mêmes trucs que vous allez utiliser sur votre téléphone, c'est la même version. Et même, vous pouvez même télécharger la version mobile sur PC. Donc il n'y a pas de souci pour suivre ça. Il faut comprendre une chose, c'est que les principes que nous avons dérhom fait l'épisode, je veux dire, que nous appliquons la photo l'idrta, c'est les mêmes principes que nous quand je prends une photo avec mon appareil photo. Ça veut dire que la logique de base, elle ne va pas changer. C'est que quand vous allez prendre une photo avec votre téléphone, pensez pas que c'est juste une photo avec téléphone, hop, c'est bon. C'est qu'il y a une photo avec un appareil photo. Ça veut dire que vous allez respecter le cadrage, ça veut dire que vous allez respecter la lumière, la composition تاعكم اللي راح لازم تخمولها قبل اي تو باش à la fin تقدر تكون عندكم une photo شابه parce que sinon si vous prenez برك هكا c'est normal que la photo au final راح تخرج بانال. Bon, donc là on a sur la photo هادي هذا vous pouvez voir que c'est le résultat final. On va essayer de reprendre tout à zéro et voir qui fait une adonulu un résultat qui soit à peu près pareil parce que vous allez jamais retoucher une photo de la même manière deux fois à la darba. Sauf que vous prenez un preset ou t'attends, ou là, par exemple, tu as copié les données ou les canines, tu colles sur la même photo. Sinon, c'est impossible. Donc, même si vous voulez comme un avant-après, tu as qui fait scan et tout qui fait ou là, et vous appuyez sur l'écran, tu as l'écran, tu vois un avant, et quand je relâche, c'est un après. Donc, avant et après, vous pouvez voir que c'est un résultat qui est totalement différent. Et ça, c'est encore une fois une photo d'état d'un iPhone 7. J'ai le dernier iPhone. Donc voilà. Donc, je vais faire un reset de tout ce qui est là. Alors, il y a un adjustment all to import to open. Bon, ça dépend. On a la version anglaise, mais c'est possible que tu connais comme la version française. Donc, bon, j'essaierai de traduire, mais bon. Voilà. Donc, il y a un adjustment to all. Et vous voyez que à la toilette qui m'a canet de base. Avant de commencer la retouche, je vais vous expliquer que l'azim à la base, tu vois, je vais déranger comme la photo de ta. Ça veut dire que vous allez analyser la photo et vous allez voir qu'est-ce qui peut être changé et amélioré avant de mettre le retouche. Au moins, tu as exactement où je vais faire la croix. Donc, là, par exemple, les dernières choses de soirée, on va voir que en fait, il y a un problème avec le ciel, les marahouches bizarres, les marahouches surexposées, les couleurs en général, je suis à fade. Les détails à la montagne ne marchent pas bien, les couleurs à la montagne marchent bien. Donc on va essayer de retoucher tout ça. Donc on a tout d'abord l'exposition vu que j'arrive chouïa. Donc on va faire la light et on aura les retouches à faire. Donc on a comme exposition, contraste, haute lumière, ombre, blanc et noir. On va faire directement avec l'exposition. Au départ, peut-être qu'on récupère un peu de détails. Juste un chouïa, moins 50, c'est déjà un chouïa bizarre. Généralement, deuxième des choses dans les photos de paysage, c'est de rajouter beaucoup de contraste. J'aime bien les photos qui sont contrastées quand il s'agit de paysage. Donc je vais essayer de rajouter un peu. Et peut-être aux environs de 35 AK, c'est assez cool. Déjà en faisant un avant-après, la photo elle a plus de texture. Ce qui est cool déjà. Donc, Duka, les hautes lumières et shadows. C'est quoi les hautes lumières et les ombres, c'est quoi? En fait, il y a des choses là, les hautes lumières, c'est toutes les zones d'image, les font beaucoup de lumière. Par exemple, le ciel, il fait beaucoup de lumière. Là, qui fait qu'on va récupérer. Donc, il y a des choses slider vers la gauche, on va récupérer les détails dans le ciel. Il y a des slider vers la droite, le ciel est de plus en plus blanc. Donc les hautes lumières soit nzid fihom soit nqas fihom. Et là comme on a récupéré le ciel, donc je vais ندير راح نعاود نروح ونقص les hautes lumières. Bon, je vous conseille pas d'aller faire les photos comme moins 100 ou la plus 100 ou là. Essayez d'avoir un équilibre. Mais là bon, là ça marche assez bien. Mais il y a beaucoup de fois où qui راح ندير le maximum, vous allez détruire la qualité de la photographie هذيك. Donc essayez de équilibrer les choses. On va faire la même chose pour les ombres. Les ombres, c'est contrairement aux hautes lumières, c'est toutes les zones d'image où
ما كاش بزاف لا لوميير. C'est-à-dire que هنا par exemple اذا نشوفوا لي ديتاي تاع لا مونتاني ما نش نشوفوهم تري بيان, دونك اون فا ايسيي دو ريكوبيري سا ا ترافير لي زومبر. Ça veut dire que اذا نسلايديو ا دروات انا راح نزيدو في لا لوميير, اذا نسلايديو ا غوش راح نقصو بلا لوميير. احنا كوم انا حابين ريكوبيريو لي زومبر انا راح نزيدو في لا لوميير, دونك اون فا سلايدي ا دروات. دونك اذا نزيدو par exemple plus 40 هكا ديجا سي ديجا كول. دونك ان افون ابخي جونغ جوست اون 4 étapes صغار رانا ديجا عندنا اون ايماج كي اي با مال. ديجا انا نشوفو دو باز بلي l'image elle est vraiment pas mal juste à travers deux trois petits trucs. Donc un jouzou blanc et noir. Blanc et noir c'est au fait c'est la base, c'est le contraste. Le contraste, quand il y a beaucoup de contraste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un écart mabin les points blancs et les points noirs. Had l'écart ou les aurait créé le contraste. Au contraire, les points blancs et les points noirs m'tqarbin, l'image va être grise. Qui fait qu'on ça veut dire que naqsou les noirs ou nzidou les blancs par exemple. Donc on comme un exemple je trouve par exemple ida naqas les points blancs et nzid les points noirs. Vous allez voir que l'image elle devient un peu plus fade, les couleurs chouya. Bon, là encore une fois c'est pas si mal. Mais ana wach ana ndir le contraire. Ana rah naqas les points noirs et bich na'rf exactement chhal ana rah naqas, nbda naqas et avec mon doigt, je vais toucher l'écran. Et tu vois que c'est complètement blanc. Donc nous allons réduire les points noirs jusqu'à ce que nous voyons qu'il sorte quelques détails de colorés, mais juste chouïa. Et je peux voir que là, ça veut dire que c'est vraiment beaucoup noir. On va laisser comme ça pour le moment, après nous allons le lire. La même chose pour les points blancs, on va les mettre, mais qui nous allons les mettre, nous touchons l'écran pour qu'il soit noir. Et nous allons les mettre les blancs jusqu'à ce que nous voyons qu'il sorte quelques détails de colorés. نعاودو نولو اون اريير حتى وين نحو لو ديرني بوان بلون لي قعد اي كوم سا اون سي كون ا بيان كونتراستي ليماج تاعنا عباي بلي هاي تبان لكم شويه سوز اكسبوزي دونك واش انا راح ندير انا راح نعاود نولي ليكسبوزيسيون اي نزيد في ليكسبوزيسيون شويه اي اون بو فوار كو رانا عاودنا ريكوبيرينا لي ديتاي مي فو زالي ندير اه مي عاود رجعت لا كولور تاع السيال عاود رجعت نورمال نو فو انكيتي با باسكو من بعدا انا راح نعاود نرجع لا كولور تاع السيال اونكور ميو. Mais le truc, c'est que je sais au moins que j'ai une image contrastée, les amis, ben au fait, les détails. Donc, on va la garder comme ça pour le moment. Donc, maintenant, on va passer directement au module de couleur. Donc, le module de couleur, il y a la température, la teinte, la vibrance et la saturation. Donc, où nous avons les quatre paramètres, les khadjouna. C'est très simple. La première, la température, c'est la balance des blancs, t'acom. Donc, et dès que vous oubliez l'image, t'acom, par exemple, elle est trop jaune ou la trop bleue, qu'est-ce que vous pouvez. Récupérer ça, c'est en balançant la balance des blancs. Donc, il y a un slide vers la droite, vous allez voir que l'image est trop bleue. Et d'un slide vers la gauche, l'image est trop jaune. Là, ça ne sert à rien que je change la balance des blancs. Mais il y aura certaines images où une quitter d'orum, à cause des lumières, les handcoms, les lumières et tout, la photo elle va soit aller vers le jaune, soit aller vers le bleu. Donc, du coup, c'est avec ça qu'on pourra récupérer les problèmes. Donc, là, il n'y a pas de souci, on ne va pas toucher ça. La même chose pour la teinte. Mindak que les photos takom ikounou trop vertes ou là trop magenta à cause des lumières encore une fois. Donc pour les récupérer et pour pouvoir rééquilibrer tout ça, donc soit je slide vers le magenta pour supprimer la quantité de vert les rahizaida, soit je slide vers le vert pour récupérer la quantité de magenta les rahizaida. Donc là encore une fois je vais rien faire et en fait c'est ça la magie de prendre une photo avec un téléphone, c'est que Huawei il va automatiquement gérer ça et du coup ça va vous éviter beaucoup de problèmes. En plus avec l'intelligence artificielle qui est éduquée sur les téléphones, ça vous permet d'avoir des photos genre plus ou moins chabin et bien exposées directement dans la caméra. Vous n'avez pas à faire grand chose avant ça, après ça. Donc on passe à la vibrance et saturation. Alors pour être honnête avec vous, avec la vibrance et saturation, mais elle exactement manifeste. La différence n'est qu'un abinatum. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit en termes techniques, c'est quoi la différence réelle. Marhaba, dans les commentaires, ktiboli, fermoni, ça vous me ferait vraiment plaisir. Merci. Pour la vibrance, Anna, c'est quoi la technique que j'utilise généralement? Je vais rajouter un peu de vibrance, environ 25 à quelques, et désaturer juste un chouïa. Donc, Duka, voilà, à peu près le résultat qu'on a eu juste à travers la lumière et les couleurs. Donc si on fait un avant après, on voit qu'on est passé d'une photo fade à une photo contrastée et colorée, ce qui est déjà bien. Mais on peut aller plus. Qui fait que je vois plus, c'est là, le module là,
Nabzo et yخرجونا teinte, saturation et luminance. Donc, chaque couleur dans l'image. Donc, je vais vous analyser l'image pour savoir où les couleurs sont et où les couleurs sont retouchées. Comme par exemple, le ciel, on a récupéré. Donc, la couleur du ciel, c'est du bleu et un peu de cyan. Donc, c'est le mélange que nous avons retouché. Et là, vous avez un problème, et je ne sais pas où je mets section à retoucher ou une couleur exactement à retoucher, et bien il y a un truc très simple à faire, c'est head l'icône, vous cliquez dessus et même pas très haut avec le stylet ou là avec votre doigt, n'importe quelle section de la photo comme vous sélectionnez et elle va vous donner les couleurs qui maintenant à côté vous voulez sélectionner le ciel ou avec les c'est du cyan et du bleu qui m'a il d'un là il va me dire que c'est du vert et du jaune. Donc c'est normal parce que c'est trab et les arbres et c'est tout à fait normal que ça nous donne cette couleur-là. On a par exemple avec les blessés un mélange entre le bleu et le vert et c'est normal. Donc on a choisi le normal et le bleu par exemple. Donc le bleu à ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de saturation. Donc on peut voir que les couleurs là en là mais ma roche vers le fond à quelqu'un parce que ça ne sert absolument à rien. Vous voyez que même la qualité elle se dégrade carrément. Donc on va juste rajouter un peu de saturation. Et pour la luminance, idéal tu vois, idéal je slide vers la droite, vers le cyan et ce n'est pas naturel. Et idéal je slide vers la gauche, vers le magenta et ce n'est pas naturel. Après, Ida, vous voulez appliquer un style et vous avez une idée en tête, je sais pas, vous pouvez faire ça. Mais vous voyez que vous pouvez facilement changer une couleur juste avec un slide. Donc, on a le bleu. Ah oui, et là, vous avez fait une erreur par exemple là, et vous voulez reprendre à zéro, un double tap sur le slide et on a à zéro. Et là, vous avez tout le monde à un paramètre leader tourne qu'avant. Et bien, plus haut, vous avez la flèche HD, tu as tout le monde. Donc, il faut combler à la couleur. Ça veut dire que c'était la dernière retouche leader. Et là, tu as tout le monde. C'est la même chose, juste à côté, avec la flèche. Et voilà, vous avez le résultat. Donc, on a retouché la saturation. Et on va suivre la luminance pour récupérer les détails de le ciel. Bon, là, je pense que j'ai un peu trop diminué la luminance. Donc voilà, là, c'est déjà assez cool. Peut-être que je vais donner un petit côté cyan, juste un chouïa. Et voilà, ça c'est déjà cool. Donc, on a la couleur Tana. On aura le cyan, encore une fois. Peut-être que je vais désaturer un chouïa parce que le cyan aura Tana le par. Donc, je vais désaturer chouïa. Enfin, le barrage. Je vais désaturer chouïa. Et chouïa encore luminance. Et voilà, pour le ciel, avant et après, et pff, on a déjà une grande différence les rahif la photo Tana. Le vert, et le vert ça veut dire que c'est tout l'espace l'icône, la montagne. Donc là peut-être que je vais, le vert ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de saturation pour donner plus de punch. Plus de punch, je connais pas la ça. Bref, les arbres à dos, et nzid chouïa à luminance pour récupérer chouïa les détails tao. Voilà. Et si peut-être on pousse un peu la luminance vers le vert, mais vous voyez qu'on a aussi un problème au niveau Talbhar. Mais bon, personnellement, ça ne me dérange pas trop, mais ça pourrait vous déranger Thomas. Donc, c'est possible que vous n'allez pas changer de teinte et pour garder, pour préserver la couleur Talbhar. Après, si vous voulez retoucher le Bhar, là, il y aura un problème parce qu'on devra aller sur la version complète. Mais là, ça va, c'est déjà cool. Donc, là par exemple, on a les rochers, les chouïas trop exposés. Donc, et chouïa, la couleur de elle est fade. Donc, là, et dans ma belle, je vais le curseur, je vais un endroit et il va me dire que c'est de l'orange et du jaune. Donc, je vais le jaune. Je vais désélectionner le jaune. Et la teinte de le jaune déjà vers l'orange chouïa. Peut-être un chouïa plus. Et ça donne la couleur terre, genre trap, et c'est pas mal déjà. Je suis à la luminance, mais pas trop parce que à chaque fois ça devient vraiment dégueulasse. Donc, je suis à Berk et
Voilà, on est déjà là. Saturation peut-être Nzedoshuya. Non, Nzedoshuya plus 13, c'est déjà bien. Et voilà. Je pense qu'on ira aussi à l'orange, endo la luminance, la teinte vers le rouge, chuya, un chuya bark. Bon, n'hésitez pas à jouer, à slider à droite, à gauche pour voir la différence que ça fait et tout, parce que là, le module teinte, saturation et luminance, c'est un module qui est très puissant. Et l'irdelir, comme tu l'as comme genre, même banal, l'AF, c'est exceptionnel. Donc, n'hésitez pas à jouer vraiment avec ces trucs. Moi, je pense que je vais diminuer un peu de saturation parce que détail hada, genre le la montagne match bzaf, mais bon, on va rajouter un peu de luminance encore parce que c'est encore les détails à la montagne. Mais voilà, en gros, on a maintenant de toute manière là. Donc, prochaine étape, les effets. Les effets, on a la texture, clarté, aucune idée où je nous dirais, et vignette. Donc, là. La texture, la texture, ça va devenir flou, dégueulasse encore une fois. Je vous conseille pas de le faire, franchement. Et je vous conseille même pas de toucher la texture. Allez directement à la clarté. Rajoutez un chouïa de clarté et jamais de clarté négative. Jamais de clarté négative. Jamais. Bref, donc la clarté Zedo fait un chouïa, on va dire, non, même pas, genre vers les 10, haka, c'est déjà cool. Dernier point, le vignettage. Donc, le vignettage, vous voyez, si je slide à droite, ça va me donner une sorte de cadre noir. Mais là, sur les paysages, je vais pas le faire. En tout cas, donc le vignettage, je vais pas toucher ça. J'ai rajouté juste un peu de clarté et maintenant. Les détails, vu que ça va être compressé sur Instagram, donc on va essayer de chouïa, de la netteté, vraiment chouïa. Et. Optique, alors je vous conseille de le faire parce que ça va juste redresser la photo chouïa, mais pas dans un sens horizontal, mais dans un sens global. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Géométrie, je vais pas toucher. Et voilà l'image finale Tana. Donc si on fait un avant-après, on voit que c'est une énorme différence qu'on a eue. Et juste avec de simples petits clics. Là, à écouter une femme comme, donc j'ai pris du temps, mais généralement ça va pas prendre autant de temps. Donc du coup, genre, je vous conseille vraiment d'essayer de pratiquer ça et de voir sur vos propres photos. Allez prendre des photos avec votre téléphone, ne sous-estimez pas votre téléphone. Téléchargez Lightroom mobile, essayez ça. Et en cadeau, je vous donne Head le preset en lien en téléchargement. Donc allez l'essayer, Internet. Et je vous vois dans le prochain épisode. J'espère que Head l'épisode a comme je suis là. Et là, vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et là, laissez-les en commentaire. Un j'aime, un truc, je sais pas, faites n'importe quoi. Et allez me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et à la prochaine vidéo.